Ma vidéo wishlist du coup Saint-Nicolas et Noël, donc voilà, tout simplement voilà. Faut savoir que cette vidéo est filmée une semaine à l'avance, donc je filme pile une semaine à l'avance, donc voilà, c'est normal si je la fais fort tôt, c'est parce que voilà, après j'ai d'autres vidéos prévues et tout, donc comme à Saint-Nicolas c'est décembre, bah voilà, je la filme maintenant. Parce que pour la wishlist de décembre, c'est... Enfin, ça vous... Enfin, vous vous dites que c'est peut-être un peu tôt, mais je trouve pas. Parce que voilà, il y a des trucs... Enfin, ouais. Bref. On va commencer tout de suite parce que j'ai quelques petits trucs. Donc, je vais essayer de mettre les photos juste ici. Des trucs. Parce que bah, là, je vais sur mon téléphone, mais... Je vais essayer de les mettre là parce que ce sera mieux pour vous, donc voilà. Donc en premier, on va commencer avec tout ce qui est équitation en fait. Donc en premier, il y a quelques tapis que j'ai envie d'avoir. Donc voilà, si on additionne tous les tapis, attends, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 tapis. Qui sont tous entre 20 et 25 euros. Donc voilà, ça fait vite cher, mais j'aurai pas tout maintenant. Hein. C'est juste les tapis que j'aime bien. Donc voilà. Alors, c'est tous des tapis un peu dans les tons foncés, donc bleu foncé, bleu marine, voilà et tout. Tout simplement parce que. Donc j'ai mon tapis rose que vous avez déjà vu quelques fois. Mais déjà je monte beaucoup plus de ongres que de jugements. Bon, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai que le rose sur gros ou quoi, ça fait de moins quoi. Surtout que c'est un rose fuchsia pétant, c'est pas genre... voilà. Enfin voilà, même si genre le rose, voilà, ça vous allez me dire, ah, les clichés, machin, donc c'est juste, voilà. Mais même parce que je trouve que le bleu et tout vont très très bien à certains chevaux que je monte souvent, quoi. Et voilà, même au jument, et tout, et je trouve vraiment les tapis super beaux. Donc voilà, donc le premier, donc c'est le tapis de sel, enfin tapis, donc... Strass bleu marine, donc il coûte 25 euros. Donc je vais mettre là, donc il est avec des genres de triangles, enfin voilà. Bref. Ensuite, toujours un tapis, du coup, donc c'est le tapis 500 marine, voilà, avec un logo. Voilà, donc il me fait penser un peu au drapeau de la France sur les bords, les bordures, les machins, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est super. Mais bon, bref, donc il coûte 20 euros celui-là. Ensuite, donc c'est un autre tapis de la même collection. Donc, c'est le bleu électrique, donc à 20 euros aussi. Voilà. Et ensuite, le cheval 540, le tapis 540 bleu marine qui est à 25 euros. Donc là, celui-là j'aime bien parce que genre il a un genre, je sais pas, c'est pas vraiment un amortisseur, je sais pas, mais il a genre des grippes, je sais pas, et c'est le même que celui d'en dessous, donc là c'est un bleu clair, donc c'est le même donc à 25 euros aussi, et je sais pas, mais j'aime bien parce que c'est, enfin voilà, c'est cool, enfin j'aime bien les grippes, ça, je pense que c'est peut-être un truc enfin un petit dérapant quoi, enfin je sais pas franchement à quoi ça sert, mais enfin voilà, mais je trouve qu'il est beau, et c'est un peu spécial, enfin
le bleu marine là avec les bordures grises, il tire fort sur le noir quand même. Enfin, bordure même beige, enfin voilà, je peux trop les couleurs. Celui-là, je trouve qu'il. Enfin, c'est genre tapis normal, mais celui en bleu, ça fait noir et bleu. Et sur le tapis en lui-même, pas sur les bordures et tout, les cordelettes, mais sur le tapis, enfin et tout. C'est. Enfin, on voit pas souvent ça sur les tapis, genre deux couleurs vraiment. Et tout. Voilà. Ensuite, on va passer au licole, donc il y en a trois. Donc, je vais m'acheter un licole bleu. Voilà, enfin bleu clair, parce que franchement le bleu sur les chevaux, surtout sur les baies ou les blancs, en gris et tout, je trouve que ça donne trop bien. Donc voilà. Et c'est vrai que le bleu j'aime bien, le bleu marine machin et tout, sur les chevaux j'aime bien, genre ça donne bien. Parce que les tapis genre orange, jaune et tout, ouais ça peut bien donner, mais c'est pas trop non plus mon kiff, donc... Voilà, j'aime bien, mais c'est pas un truc que j'aimerais acheter, quoi. Bref. Donc, d'abord, un licole tout basique, le bleu, donc le Schoening de Funenza, donc à 4,90€, donc à 5€. Allez, 10 cents de différence. Donc voilà, donc ça c'est le tout basique, c'est comme mon rouge. Voilà, c'est le même, avec la longe qui est à 4,90€. Et tout, donc en gros ça fait un lot de 10, enfin ça, les deux trucs ça fait 10€ quoi. Voilà. La longe, je sais non plus de mettre, je l'ai aussi en rouge. Et ensuite le licole plus mon longe de Winner Turquoise, donc à 20€. Donc ça c'est le même que j'ai en rose du coup. Voilà, c'est le même et voilà. Je trouve trop bien ces licoles et tout. C'est vraiment des licoles très simples, mais franchement qui sont cool et tout. Voilà. Ensuite, un amortisseur. Je pense que je vous l'ai dit plein de fois que je voulais un amortisseur. Mais voilà, j'en ai toujours pas acheté. Et c'est vrai que des fois, les mousses avec gris. Voilà. Donc là, c'est à 24€. Donc le mousse Lena polaire gris. Donc voilà, j'étais choquée, enfin choquée, voilà. À part genre les mousses et tout, tout basique, c'est les mêmes à l'écurie, donc enfin, voilà, qui sont pas non plus très 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 jolies, qui sont là vraiment pas chères, mais bon je me dis j'ai pas acheté ça en sachant que c'est les mêmes qu'on met aux chevaux à l'écurie quand on n'a pas l'amortisseur. Donc je me dis ça sert à rien d'acheter ça et que, enfin voilà. Mais sinon je trouve que les amortisseurs ils sont quand même plus chers quoi. C'est un des moins chers qui sont assez beaux et c'est 24€. Donc même un tapis peut coûter moins cher. Donc voilà. Bref. Et ensuite, alors ça je sais pas si genre je vais recevoir ou si c'est moi-même qui veut. Enfin on va les acheter comme ça parce que j'en ai de toute façon besoin. Mais c'est des gants. Donc là c'est le creepy noir. À 10€, donc je sais pas si ces gants là, si c'est ces gants là que je vais acheter et tout. Mais maintenant je pense qu'ils ont l'air d'être bien. Je sais pas du tout si ça va être ceux-là que je vais acheter. Mais voilà, ils sont vraiment. Enfin ils ont l'air cool et ils ont l'air pas trop. Enfin ils sont pas trop chers donc ça va. Mais j'en ai vraiment besoin parce que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai mes gants, ça fait peut-être, je ne sais plus, ça fait sûrement 3 ans, je ne sais pas, mais ça fait peut-être plus de 3 ans que je l'ai et en fait il y a un trou genre par là-bas et tout, ils commencent à être abîmés et tout, donc il faut vraiment que je les change, donc voilà. Je suis encore montée avec, mais bon, c'est moins confortable quand on a un cheval qui tire ou quoi, que t'as besoin plus de. Enfin, de le tenir. Enfin, voilà, bref, hein, quand t'as une partie qui est protégée parce que ton gant, il y a un trou dedans et que justement, ça le sent là, t'as bien mal, quoi. Parce qu'en plus, t'as mal qu'à un endroit, donc ça fait. C'est chiant. Ensuite, donc là, ça va être plus genre pansage et tout. Alors, un pinceau à capuchon à 2,50€. Pourquoi un pinceau? Tout simplement parce que on met pas souvent de. Enfin, on met pas souvent.
C'est pas genre, je vais pas mettre souvent de graisse aux chevaux. Des fois, genre, si je suis là un samedi et que bah, on doit graisser les pieds des chevaux, ben en fait c'est plus pratique parce que soit tu dois demander partout, t'as pas un pinceau et tout. La plupart du temps, soit on te répond, je l'utilise parce que c'est souvent au moment où on doit graisser tous les chevaux, les pieds de tous les chevaux, donc presque tout le monde utilise son pinceau. Soit on n'en a pas, donc voilà, donc soit il y en a de l'écurie, mais ils sont un peu, voilà, bon, hein, une tête de pinceau qui a été bien utilisée. Soit il n'y en a pas, donc voilà. Donc j'achète un pinceau et aussi, pendant les étriers, avant, enfin le samedi, on graisse les chevaux, enfin le cheval qu'on monte, enfin les pieds du cheval qu'on monte, donc en plus là ça sera étrier d'or, donc. Je pense que j'aurai deux chevaux. Je ne suis pas sûre, des fois on en a un qu'un, mais des fois on en a deux pour les deux trucs. Donc pour le dressage, un pour le dressage, un pour le sac. Je pense que ça peut-être déjà arrivé qu'il y en a un, enfin qu'il y en a un. Il y a une personne qui est le même cheval pour les deux épreuves, mais je suis pas sûre. Enfin bref. Et du coup on les graisse. Et du coup c'est vrai que bah, à ce moment-là, là c'est sûr qu'il y a genre personne qui a des pinceaux parce que pas tout le monde les utilise. Donc voilà. Ensuite, une Magic Brush, donc voilà, donc c'est l'eau 15€. Donc voilà, ça fait des années que j'ai envie d'en acheter. Et j'en ai toujours pas. Donc je vais essayer d'en acheter. Ensuite, là, on passe dans le hors équitation. On passe pas encore dans le hors équitation. Un truc, j'ai assez avec ma boîte, mais franchement, si j'ai envie d'acheter genre du démêlant, de l'antibouche, du machin et tout, ma petite boîte de pansage, ça va pas le faire. Et dans mon gros sac, je pourrais le mettre, mais mon gros sac, c'est plus pour les trucs. Enfin, matériel et tout. Que ma boîte de pansage, c'est vraiment pour le pansage et tout. Donc, j'aimerais avoir la GB700 de Fuyinzin qui coûte 21€. Et je pensais que c'était plus cher, mais non, pas du tout. Bref, maintenant on passe à ce qui n'est plus trop équitation, enfin plus du tout en fait. Donc chez Primark, j'ai vu qu'il y a un coussin avec des armoiries de Harry Potter qui est à 8€. Et voilà. Et comme j'aime bien Harry Potter, ben voilà. Ensuite, un mug en céramique Harry Potter à 3,50€ aussi. Enfin, à 3,50€. Voilà. Donc aussi Harry Potter. Voilà, même si j'ai plein de tasses et tout, donc tant pis, ça me fait, voilà. Ensuite, quelque chose qui va me servir pour mes vidéos YouTube, c'est un trépied pour smartphone, donc c'est un trépied qu'en fait on peut plier les, voilà, un peu tordre dans tous les sens les pieds, et ça c'est pratique genre quand je veux l'attacher quelque part et tout, genre sur un, je sais pas, voilà, bref. Vous avez compris, donc je ne sais plus il a combien. Je ne saurais pas vous le dire. Je ne saurais pas vous le dire du tout. Voilà. Et ensuite, dernière chose, je ne vais pas faire de cours de guitare et tout. J'ai plus envie de faire des cours de guitare en académie ou. Voilà. Mais j'ai envie d'avoir une guitare donc, classique. Voilà. Tout simplement parce que donc j'ai fait quelques années de piano, j'ai fait 3 années de solfège. Voilà, j'ai jamais fait de guitare, mais c'est un truc que j'ai envie de faire et tout. C'est pas genre pour arriver à faire à être professionnel, enfin pas être professionnel, mais à arriver à un bon niveau. C'est juste pour m'amuser et tout, pour voilà, je sais pas, quand t'es en soirée avec des potes et tout, ça peut être cool et tout. Donc voilà. J'ai envie d'avoir une guitare. Me demandez pas pourquoi, d'où c'est venu dans ma tête d'avoir une guitare et de faire de la guitare. Mais ça fait quelques temps que j'ai envie, donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.